Salut à toutes et à tous, ici BBTM, on se retrouve pour la 12e partie de Jusqu'au bout de Hurling Between Worlds. En votre compagnie, ça fait toujours plaisir. Et là, on vient de finir le temple... Je sais même plus son nom, mais le temple des squelettes, en gros, dans les bois perdus de Lorul. Et j'avais récupéré une deuxième roche légendaire, et j'ai envie d'aller voir le forgeron dans Hyrule. Et voir ce qu'il peut me dire à propos de ça. Parce que je pense que peut-être que une ou deux, c'est pas assez. Il faudrait peut-être toutes les avoir pour pouvoir faire une bigasse épée de la mort qui tue. Donc on va aller voir la grosse là qui va être encore contente que je la surprenne pendant qu'elle fait son revêtement là. Coucou. Tu es revenu. Merci, tiens, en témoignage de mon... Non, mais tu déconnes. Ah oui, juste un cœur, oui, sans commentaire. Ça vient quand tu veux. Ouais, ok, ouais. Je me suis dit, elle va pas quand même nous redonner un quart de cœur, là. Ce serait rêvé. Alors, on va aller voir le petit forgeron, parce que je me demande si... Je pense pas que je puisse améliorer mon épée aussi tôt dans le jeu. Ça me paraît un peu donné. Ah non, c'est pas un rocher comme ça, c'en est un... Je croyais que c'était un gros fissuré, pareil. T'as toujours pas retrouvé Gulli? Bah écoute, c'est peut-être le dernier boss, hein, qui sait. Peut-être qu'il a manigancé son coup depuis le début. Qui sait. Allez, forgeron, regarde-moi ça. Link, Gulli est introuvable. On l'a cherché partout pourtant. Et s'il s'était fait... Et s'il s'était fait enlever par les esprits de la forêt? Non, je me fais des idées. Pas vrai? Dis-moi que c'est pas la peine de m'inquiéter. Dis-moi plutôt, Link, tu as bien deux morceaux de roche de légende, non? Le mec, attends, genre... Tu sais, pendant qu'il vous parle, il vous fait les poches. Bon, alors, ça t'embête pas que je te tripote un peu, je regarde ce que t'as dans les poches. Tu veux que j'améliore ton épée, s'il te plaît? Allez, on y va. Allez, là, gronchon des sept nains, là. Enfin, grincheux. Tu vas voir de quoi je suis capable. Ouais, mais fais-moi ça à la minute. Parce que je veux pas attendre genre 30 minutes, parce que c'est ma partie de gameplay. Comment tu la trouves? C'est mon chef-d'œuvre. Je ne ferai jamais mieux de ma vie, ça c'est sûr. Je sais que t'as pas mal de trucs à faire en ce moment, alors j'espère qu'elle te facilitera un peu la vie. Yeah! C'est moche. C'est quoi cette lame rouge dégueulasse? Légende a été mieux. Le tranchant de sa lame est devenu plus redoutable encore. Pas besoin de me payer, hein. Par contre, Gulli, tu crois que t'arriverais à le retrouver? Faut que je me remette au travail. Ah, oh, ça me fait de la peine de voir le patron triste comme ça. J'ai une épée rouge dégueulasse. J'aime pas trop, perso. Le rouge, là, je sais pas. Ça fait bizarre. Ça fait un peu Dark Maul, quoi. Dark Vador. Ouah ! En tout cas, elle fait du bruit, hein, quand on tape avec. Est-ce que je peux casser les rochers? Ça m'aurait aussi étonné. Qu'est-ce que t'as à me dire? Gulli, où es-tu, Link? Dis-moi que mon fils est sain et sauf. J'en sais rien, moi. Je l'ai pas vu, hein. Écoute, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu veux que j'aille voir à l'endroit où il était? Je peux y retourner. C'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas parcouru Hyrule. Alors toi... Hé, hey, attends, vilain. Avec l'épée de légende plus l'amélioration, là, je pense que Hyrule, maintenant, c'est du pâté, quoi. Il y a même pas besoin de... Il y a aucun challenge, maintenant. Et même l'Hyrule, ça va commencer à devenir simple. Tu dégages. C'était l'endroit de mon ami. T'avais pas le droit de faire ça. Enfin non, il m'a fait chier au début de l'aventure, mais bon. Vu que tes parents veulent que je le retrouve, faut que j'utilise des mots doux. Dégage. Peut-être que si je les tue tous... J'entends un tigorneau. Bah attendez, j'entends un tigorneau, mais je vois pas où. Ah si, au-dessus, ok. Eh, malheureusement non, je peux rien faire. Dans mon inventaire, j'ai rien, hein. Non, je suis désolé, je sais pas où est passé votre pauvre petit Gulli. Ah, le thème... Oh! Non! Je crois que j'ai fait la pire connerie de ma vie. Je crois que c'était une abeille dorée. Je regarderai au montage, mais il me semblait... que c'était... qu'elle avait une aura spéciale, l'abeille. Ah, mince! L'autre, je lui ai mis un super coup, elle va jamais s'en relever, quoi. Bah non, désolé, votre petit Gulli, moi, j'en ai aucune idée d'où il peut se trouver. Je peux toujours pas passer par là, c'est ouf. Ah, attendez, il y a un petit problème avec l'écran tactile, j'avais pas vu. Alors, vous allez voir les dessous du bibi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec l'écran tactile? Pourquoi que t'es plus là? Ah non, c'est bon. Ah, désolé, c'est moi qui l'avais pas enclenché. Alors...
J'ai même pas vu au début, je me dis tiens, en regardant la capture, je me suis dit tiens, c'est un écran noir, c'est bizarre. Ouais, je voulais regarder la map un peu. Parce que ouais, il y a des endroits où j'ai pas été, par exemple le désert, j'y ai pas été parce que je peux toujours pas. C'est fou. Après tout ce temps. Alors, où est-ce que je pourrais aller? Où sont... Est-ce que je peux voir... Voilà, je peux voir l'Orule. Écoutez, j'ai bien envie d'aller chercher une faille vers le moulin. Peut-être que ça m'emmènera vers un temple. Ça, ce serait cool. Après, j'espère que j'ai le bon objet. Ah, attendez, j'ai dit à chaque fin de boss, on achète un objet. Enfin, à chaque fin de donjon. En l'occurrence, j'ai fait un donjon. Oh, les pauvres. Les gardes qui servent plus à rien. Alors, qu'est-ce qu'on s'achète? Par contre, le problème, c'est qu'entre chaque temple, je gagne pas 800 rubis, quoi. Donc, au bout d'un moment, je vais être un peu à sec. Bienvenue, pas la peine de me... Lâche-moi. Qu'est-ce que je peux acheter? Je vais louer ça, parce que ça, je sais pas, je le sens. Je loue. 1200 rubis, purée, qu'est-ce que ça coûte cher, ton truc. Et au moins, une fois que j'aurai acheté tous les objets, je serai tranquille. Qu'est-ce que je peux acheter? Franchement, les bombes. Ça m'énerve à chaque fois qu'elles partent, parce que les bombes, c'est super utile. Surtout sur la map, quoi, pour casser des murs, retrouver des secrets, c'est vachement utile. Donc les bombes, allez hop. Ça, c'est fait, comme ça si je meurs, même si ça devient de moins en moins probable que je meurs parce que 12 cœurs, réduction des dégâts par 2, épée améliorée, il y a des chances quand même pour que je meure moins, voire plus du tout. Mais bon, c'est pas dit, parce que le boss, la dernière fois, il m'a quand même... Ah tiens, on va voir le Bigorneau, là, mamie Bigorneau. Qu'est-ce que tu dis de ça? Oh my, je savais que je pouvais compter sur toi, thanks. Tiens, regarde. Alors par contre, il n'y aura pas assez de place, hein. Va falloir y foutre dans l'eau. Tu possèdes un objet que je peux utiliser pour te remercier. Tu veux bien me le montrer? Je vais pas l'abîmer, au contraire, je vais la rendre great. Ah, elle va peut-être améliorer. J'ai plus de batterie. Eh mais ça, c'est la partie de la loose. J'ai pas l'écran tactile, j'ai plus de batterie. Alors, petit câble, viens ici. C'est bon, le monde de la 3DS est sauvé. Qu'est-ce que je peux améliorer? J'ai bien envie que t'améliores... je sais pas. Les bombes, attendez. Comment elle peut améliorer mes bombes? Vas-y. Parce que si ça me permet de casser les gros rochers, moi je dis oui. Même si je doute. Oh, ou alors je vais pouvoir avoir des super bombes. Vous imaginez? Oh, c'est ça? On gagne en puissance. Very great. Essayez-les sans tarder. Ok. Elle est mignonne, la petite musique. Allez, on dégage les nains. Ah oui, parce qu'en plus... Ah bah oui, j'en avais en stock. Oh, s'il faut, je vais avoir droit à une autre amélioration. Allez. Ouais, je crois que c'est bon. Est-ce que je peux encore les bombes? Non. Alors, l'arc. Elle est mignonne, la petite musique avec les cœurs derrière. Bon, alors ça, je sais déjà quelle amélioration ça va faire, en fait. Ah, il est stylé, l'arc, comme ça. En fait, ça va me permettre, je vais vous montrer juste après. Et je pense que c'est tout, hein, quand même. Voilà, mes children sont très peureux. Tu es mon seul hope, je compte sur you. Ok, pas de problème. Alors, on va regarder ces améliorations ensemble, parce que la bombe, je sais pas, est-ce que ça les a transformées en super bombe, j'aimerais bien. Alors, voyons voir. Ok, elles sont grosses. Alors, qu'est-ce que ça fait de plus? Je pense sincèrement que je peux exploser les gros trucs. Maintenant, j'ai envie de voir si ça peut casser les rochers un peu plus denses, là, comme on voyait, et qui me bloquent souvent le chemin. J'ai des doutes qu'il faille faire cette quête pour pouvoir avancer dans le jeu, mais sait-on jamais. Et l'arc? Avec Y, hop, je prépare mon coup, et schlack, ça envoie 3 flèches en fait, d'un coup. Donc ça, c'est toujours ça de prix, ça me permet de moins rater mes cibles, voire d'en toucher d'autres que j'aurais pas pensé juste avant. Allez, meurs. Par contre, où c'est que je peux trouver un gros rocher? Bah par là, hein, pas loin. Ah, ce serait bien que je puisse. Je pense qu'il est juste après là. Mais je pense pas, honnêtement, je pense vraiment que c'est à la force des bras qu'il va falloir le soulever, et non pas les exploser. Même si j'aimerais beaucoup, hein, parce que ça m'arrangerait complètement. Alors, X. Non, je pense pas. Ah, décidément, franchement, je suis déçu, quoi. J'ai l'impression que cet objet, vraiment, je vais mettre un temps infini à le trouver. Puis s'il faut, je pourrais, hein, depuis un moment, l'avoir, mais je vais pas aux bons endroits. Alors, on va essayer de se transporter dans l'Orule de ce côté-là. Est-ce qu'il y a éventuellement un pylône? Éventuellement une faille quelque part. Parce que malheureusement sur l'écran tactile je vois celle que... Aïe, je regarde pas. Je vois celle que j'ai déjà utilisée mais pas celle... Je vais vraiment regarder partout chez les gens. Mais pas celle que j'ai pas encore prise donc forcément. Qu'est-ce que t'as à me dire? T'as un truc de nouveau à me dire toi?
Ah oui, ça y est, je peux nager. J'ai des palmes, oui. Ce sont les auras qui t'ont pris, tu débrouilles bien en plus. Enfin, tant que tu ne sauras pas plonger, tu resteras un amateur. De quoi? Je sais plonger. Qu'est-ce que tu me sors? Je pensais qu'il allait me proposer une course en fait avec les palmes et tout, mais apparemment non. Bon bah, va te faire. y a rien par là, là. Je suis en train de chercher un petit endroit où je pourrais passer dans l'Orule. Même si c'est par là, c'est pas grave parce que ce serait déjà pas mal. Aïe. Même si je me souviens pas avoir vu piller par là. Hein. Par contre, peut-être au niveau de la montagne, j'aurais peut-être dû aller voir par là. Ici, non, non, pas de faille, pas de faille. Pourtant, il y a peut-être un pilier par là. Oh, je les one-shot les trucs. Allez, allez, faut que ça ferme, moi. Du chemin à parcourir, hop. Alors ici, je pense pas, hein. Qu'est-ce que c'est déjà? Oh non, franchement, je t'ai eu avant. Je sais plus où ça mène, ça, tiens. Ah oui, chez Mamie Magie. Ok, bon, toujours pas de... Est-ce que vous arrêtez d'être en... Non. Oh, attendez, j'ai réussi à le rater avec trois flèches, alors qu'il était à bout portant. Ok, ok, je vois pas pour l'instant. Alors, je vais essayer d'aller là. Je sais pas où ça mène. Oh, bah tiens, cool, un petit bigorne. Et j'ai même envie de passer sous la cascade. Ah, je sais pas si je peux... J'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Oh, une faille! Génial! Oh, bah, exactement ce que je voulais. J'espère que je vais pouvoir quand même remonter à la surface. Alors, il y a de l'eau déjà. Cool. Ah, la princesse Hilda. Héros Link, cet endroit est maléfique. Non, tout ton monde est maléfique, arrête de me dire. Rends-toi au palais des ténèbres. Il semble que le sage qui s'y trouve est celui qui a le plus besoin de ton aide. Il doit être effrayé, vite, va le secourir. N'oublie pas, c'est moi Hilda de l'Orule. Mais pourquoi à chaque fois elle est obligée de se présenter? J'espère que c'est pas un... C'est un intérêt que Nintendo fait pas ça juste à chaque fois pour qu'on se rappelle qui c'est. Hein. Oula, oula, oula. Ça c'est pas good. Oh, attendez, j'ai vu un petit... Ah, sort. J'ai vu un petit... petit bigorneau. Petit mignon tauronoubi. Et par contre, je peux pas me remettre en peinture, là. C'est-à-dire que je suis... Ah non, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'était une petite cachette dans Hyrule. Oula, toi t'as peur. Inox. Tu résistes bien à la rouille. Épargne une vie de moi. Moi, donner ça à toi. Ah, c'est un cyclope peureux. 5 rubis. Est-ce que ça peut... Est-ce que ça peut être ça pas suffire? Non. Alors, moi, donner ça et toi pas faire mal. Ça peut encore suffire? Non! Maintenant, toi, laissez-moi. Non, moi, je veux... Ça peut encore suffire. Je veux un quart de cœur. Après, toi, partir. Oh là 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 là. Non. Hein? Non, encore. Mais, moi, plus rubis. Moi, donnez-toi tout plein beaucoup. Et toi, tu veux pas laisser moi tranquille. Oh, mince. Il est vénère. Oula. Oula, oula, mince. Non, non, il va me tuer. Oh, il va me tuer, je sors. Parce que là, je pouvais pas le toucher, en plus, il me retirait deux cœurs, malgré que j'ai la protection. Alors, est-ce que ça va mieux? Non, ça va pas mieux. Je peux pas l'avoir, je peux pas le tuer. J'aurais peut-être dû le laisser tranquille. J'ai été trop avare. Qu'est-ce que je pourrais faire pour le rendre calme? Mettre un peu de glace. Non, non, y a pas moyen. Je pense que là, il est vénère à vie. Ah, dommage. Je pensais vraiment qu'en fait, en lui demandant à chaque fois... j'ai presque pitié de lui, là. Je suis triste de lui avoir tant réclamé de rubis. Et je pensais qu'en fait il fallait faire ça pour avoir un quart de cœur, moi au final. Apparemment non. Dommage. Alors, qu'est-ce qu'on peut découvrir par ici? Là c'est la fameuse faille, alors on va essayer de passer par là. Ah voilà, c'est ça qui m'intéresse moi. Alors je vais voir juste où l'eau mène, parce que s'il faut, en fait l'eau va m'amener à un temple.
Ok, ou pas. Non, là on part direct dans la crevasse, ok, bon bah. Alors le palais des ténèbres, ouais, je pense savoir lequel c'est, vu que c'est tout noir là où il y a. Allez, dégagez. Ah, mon épée améliorée quand même, il leur faut deux coups à ce petit machin là. Ah, je suis triste pour le pauvre géant qui avait peur. J'aurais pas dû le temps lui réclamer. Qu'est-ce que tu veux, toi? Alors par contre, eux, je les one-shot, c'est un peu bête. Ah, même eux, on va dire. Ok, tout se passe bien, je découvre des nouveaux endroits dans l'Orule et ça c'est cool. Alors ça c'est une abeille, tout ce qu'il y a de plus banal, donc j'en ai pas envie. Hop hop hop, là c'est du vide. Ouais, le monde en fait il est vraiment fractionné. Ah, et puis voilà, je vais direct rentrer dans le... Oui, princesse, dites-moi tout. Dites-moi que vous vous appelez Hilda, qui est de l'Orule. Qui approche du palais des Thèbes, c'est là que se terrent les adorateurs des monstres. C'était autrefois les soldats du château de l'Orule. Ils vivent désormais dans ce palais et ils vénèrent les puissances maléfiques. C'est de ma faute, je suis trop faible. Eh ouais. Faire des pompes. Mais ne te méprends pas, ils étaient honnêtes autrefois. Héros Link, ils essayeront probablement de te capturer s'ils te voient. Tu vas devoir faire preuve de prudence et de sagesse. Fais attention à toi. Hilda de l'Orule. Mais pourquoi à chaque fois elle me dit ça, quoi? C'est ouf. Hein? Un petit. Yep. Alors, une nouvelle musique, encore une fois, hein, ça c'est pas un remix. Capturer tout individu suspect. Ah, on voit leur champ de vision, c'est ça? Comme dans Majora's Mask, ça c'est rigolo ça. Ou, bah, comment ça, je peux pas passer par là? Bah, attendez, c'est débile. Pourquoi je peux pas... Mais... Attendez, est-ce que je peux, si je fais du bruit par là? Non. Là, je sors du truc, je crois. Hein. Ouais. Ah, peut-être que ça va m'emmener... Ah, là, je vois... Ah, ouais. Attendez, je vais retirer cette... Wouhou. Hop, une petite bombe. Enfin, une grosse bombe, maintenant, ouais. Ah, là, une fracture de découverte. Ça, c'est cool. Et vous savez quoi? J'ai même envie d'y aller parce que peut-être que dans l'autre monde, c'est un passage secret en fait que je pouvais pas atteindre autrement. Où suis-je? Je sais même pas. Yeah! Qui avait raison? C'est Bibi! Alors, le marteau. Heureusement que j'avais le marteau d'ailleurs. Yeah! Nous faisons encore un pour former un réceptacle. Ah, j'ai hâte. Mon 13e cœur. Décidément, s'il faut, je vais finir l'aventure avec... Alors, est-ce que j'ai des flacons vides? Non. Faut encore que j'apporte le cru, le grand cru à l'autre, là. Hop, c'est pas grave. À l'autre qui s'est perdu dans les montagnes, là. Alors, par contre, je me demande ce qu'il y a en haut. Ah bah, c'est rien, c'est juste là. Ouais, ouais, c'est ça, c'est un cul-de-sac, en fait. Je pouvais y arriver que de par là. Alors, par là, ça mène où, alors? Ah mais non, en fait, je pouvais y accéder tranquillou. Bon alors, je vais pas m'éparpiller, faut que je retourne dans la fracture pour pouvoir pénétrer le palais des ténèbres. Avec ce nom-là, ça fait un peu dernier donjon, mais... Je crois qu'il m'en reste 3. Des temples. Ah non, 4. Dont le fameux qui se trouve dans le désert et que, incapable de savoir comment est-ce qu'on y entre encore. Décidément. Pourtant, c'est pas faux d'avoir regardé beaucoup dans les alentours du lieu, hein, mais je vois pas du tout par où est-ce que ça peut m'emmener. Alors, lui, je veux bien, mais par contre... Si je vais dedans, qu'est-ce qu'ils font? Je veux juste voir ce que ça fait. Ah, d'accord. Je suis en cachot, ok. Donc, faut vraiment pas qu'il me voie, d'accord. Et si je me mets en forme murale, est-ce qu'il me voit? Non. Ah oui, parce que je suis derrière les lumières. Si je le tape. Non. Ok, ça c'est la trappe Nigo là, les rubis. Ouf, 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 attendez. Ok, tout dans l'eau. Ok, ça c'est génial. J'adore. J'ai tout foutu au-dessus. Ah mince. Wouhi.
c'est passé, c'est le principal. Ok, tout va bien. Ok, je peux pas passer par là. Non ! Non ! Mais non ! Ouf ! C'était hard. Mais pourquoi ils me l'ont montré, ce mec ? Ah ok, j'ai compris. Faut que je passe comme ça. Allez, dégage. Allez, dégage. Allez, dégage. Allez, dégage. Mais dégage. Ah mais non, mais il y a l'autre. Comment je fais ? Ok, bon, on va l'en faire, c'est pas grave. Un petit passage d'infiltration, c'est bien pour la variété du jeu. Hein. Ok, complètement bidé, allez hop, on passe à l'arrache, ça passe. Ah mince, j'ai oublié que toi qu'il fallait deux coups. Ok, donc en fait c'est juste que là c'est un attrape-nigo quoi. Par là ça passe mieux. Ouf, 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 ouf. Il est où lui? Ah non, il est au-dessus. Donc normalement il m'atteint pas là. Je sais pas ce que c'est là-bas, ce qu'on m'a montré. Ah, en tout cas, maintenant je serai prisonnier ici, donc ça c'est une sorte de checkpoint. Qu'est-ce qui se passe là? Ok. Un en dessous, un au-dessus, un là, oui. Là, pas du gain. Vite que je vois par contre où est-ce qu'il se met. Ok, il est là, on passe vite. Toi, on te fracasse. Par contre, j'ai envie de voir là-bas ce qu'il y a. Ah oui, je m'en doutais. Honnêtement, je m'en doutais. Un fragment de cœur, par contre. Est-ce que je vais être assez rapide là? Ouf, ouf, ouf. Ouais, c'est bon. Et un tigorno. Mais dis donc, c'est ma journée. Yeah. Eh bien, écoutez, c'est plutôt bon. Ah, mais ça y est, j'ai mon 13e cœur. J'avais même pas remarqué. Nickel, 13 cœurs. Ah. Voilà. Allez, viens là, toi. Allez, arrête de me cracher tes trucs dessus. Ah, mais crotte. Voilà. Mais je suis retourné au début ou c'est moi? Ah non. Alors, ok. Là, comment... Peut-être comme ceci. Ou pas. Attendez. Ah si, peut-être que là, en fait, à un moment, il se change, non? Mais lui, il me saoule. Ah, quoique, non, j'ai compris. Faut que je fasse ça, ça, et que je passe à côté. Ok. Tout va bien. Par contre, j'ai peur qu'il regarde en arrière. Donc, on va vite passer. Là, pas du gain. Là, pas du gain, les gens. Oh! Là, pas du gain. C'est des rubis, sûrement, qu'on peut peut-être pas avoir comme ça, et... Ils sont juste là pour vous faire piéger, et puis bah ça a fonctionné, bien joué. Ça a fonctionné avec moi. Et résultat, je suis obligé de me retaper cette scène. Allez, avance. Ok, tout va bien. Alors toi, j'ai même pas envie de te taper parce que tu me saoules. 1, 2, 3. Ok, donc on va pas reprendre les rubis rouges. Juste passer sur le côté là. Je me demande par contre s'il y a un truc à droite. Non. Ok. Je vais juste récupérer un peu d'endurance, y retourner, passer derrière, et on sera bon. Oh ouais, hey, ça y est, je crois que je suis à l'entrée. Et j'espère sincèrement avoir... Oui, je veux sauvegarder, why not? Avoir, comment ça s'appelle? L'objet qui me permet d'entrer dans le donjon et surtout de le faire. Parce que vous avez vu, le temple de l'eau, il fallait le grappin quand même. Là, apparemment... Maybe les bombes? Bah, en même temps, je vois que ça... Ah non, pas les bottes de Pégase, s'il vous plaît, pas les bottes de Pégase. Ouf. En même temps, là, c'est des gigabombes hein, que je mets. Hein. Je suis sûr que dans l'Orule, ça peut péter les grosses pierres fissurées et j'ai pas besoin d'amener la grosse bombe avec moi, là.
Alors, apparemment, la lanterne aussi. Éventuellement. Bienvenue dans le temple, j'ai même pas lu son nom. Mince. Trompé de plein, trompé. Ah, quoique, elles sont petites quand même. Hein. Non, je pense pas que ça puisse... Ah ouais, c'est vraiment les bombes dans ce temple. Ah, je vais me planter tout le temps avec les deux. Donc, nouvelle musique de temple, encore une fois. On va l'écouter un peu ensemble. La musique de Storm fait un peu plus musique d'ambiance qu'autre chose. Elle me fait pas plus d'effet que ça. Je préférais celle du temple juste avant. Ah, il y a un petit coffre dans celui-là. Ah bah, je vaut mieux que j'y aille, vu que je peux. Ah, vu que je pouvais, peut-être. Mais que je ne peux plus. Ah, si, je peux. Il me suffit de bien viser. Voilà, nickel. On va jamais dire non à des petits coffres, hein. Surtout que celui-là, il est donné, franchement, vu la fracture dans le mur. Enfin, d'ailleurs, la récompense est à la hauteur de l'énigme. Est-ce que je peux la lancer de là? Ce serait bien. Ça fait peut-être un peu loin. Ah oui, mais vu que j'ai la super bombe, peut-être que ça me permet d'avoir une amplitude plus balèze. Ah oui, je m'en souviens d'eux. Ils sont mignons, tout rond doudou. Voilà. Oula, il y a un truc sur les murs. Oh, c'est étrange. Ok. J'ai pas bien compris ce que ça voulait dire là, le truc. Il y a un signe qui m'indique genre... Alors déjà, je peux poser une bombe là. Ça fait quelque chose de bien, soi-disant. Oh la vache! Mais pour moi, c'est du vide, là. J'ai eu la chance, hein. Avant de tomber dans le trou bêtement là, parce que j'imagine qu'il y a quand même quelque chose, hein. Oh là là, un donjon dans le noir, je suis pas fan. Je suis pas fan de pas voir ce qui m'arrive dedans en fait. C'est quoi ça? Des gros boulets, ok. Y'a rien d'autre ici. Hop, on allume un peu de torche là, pour histoire qu'on y voit un peu plus clair. Oh ok, je pensais que ça allait moins vite. Wouhou! Encore une petite bombe ici. Oui, je sais que j'ai fait un trou. Ah, il y a beaucoup de... Je sais pas trop par où aller en fait. Ça c'est fait, une petite clé peut-être. Ah non, la boussole. Bah, c'est aussi bien la boussole, parce au moins je sais quand je rate des choses. Quand on a une salle vide, qu'on a fait ce qu'on pensait avoir à faire dedans, et qu'il y a... Ok, tu sors d'où toi? Et qu'il n'y a plus de coffre, c'est qu'on est bon. Des petits fantômes. Alors là-dedans, je peux pas. Est-ce qu'il y aurait un moyen de me surélever quelque part? Pas ici pour le moment, ok. Déjà. Vous me faites éternuer les monstres. Ah, au moins vous m'avez fait découvrir qu'il y avait une fissure ici. Ah, je les connais ces ennemis-là. Oui, vous voyez, en fait, ils bougent comme moi, mais dans le sens opposé. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Aïe, Alors, qu'est-ce qui se passe par là?
Tu mets la petite musique stressante qui continue. 50 lits, ok. Papa. C'est en moi de la ligne. Alors, je peux pas tomber par contre. Ça, c'est peut-être une indication concernant en dessous de la salle, il y a sûrement un truc. Alors, ce qu'il faut, c'est les prendre à revers en fait. Voilà. Ceci vous regarde de face en fait. Il vous attaque. Ah voilà, comme ça. Vous voyez, et en plus il se protège. Ah. C'est pour ça qu'il faut réussir à les foutre de dos. Mais pourquoi? À toi, je me demande si c'est pas à l'arc. Ouais, c'est ça. Ok, on est bon. On prend le petit cœur. Ouais, ouais, de en dessous, là, y a un truc. C'est obligé. Hop là. Par contre, j'ai plus ma lanterne, résultat. Je vois absolument rien. Je sais qu'il y avait un coffre. Oh, une queue de monstre. Bah, dis donc, si c'était que pour ça, franchement, je m'en serais passé. Vous êtes sûr qu'il n'y a rien d'autre et tout? Non, je pense pas. On va faire un petit coup de peinture histoire d'être sûr. Non, c'est tout. Ok, bon bah pourquoi pas. Et ça, et là-dessus, ça nous fait pas remonter ou quoi? Ah non, là, attendez. Je me disais bien aussi ici, les 4 dalles, là, à quoi elles servent. J'ai envie d'aller récupérer le coffre là-bas avant quand même de me lancer un peu n'importe où. Ah oui, mais c'est celui-là. Que, à mon goût, je pense pas pouvoir encore choper. Bon, bah on va tomber. Là-bas. Au mieux, c'est la suite du donjon. Au pire... Ah, mais c'est marrant, dans le noir, en fait, ça nous indique. Oh là là, mais c'est quoi ces cadeaux tout pourris, là? Alors, apparemment, je peux tomber. C'est bizarre. Ok. C'est un concept, ça. Hein. Attends, pas d'envie. Ah, mais non, ça m'aide pas. Ça, c'est du donjon, les gars. Moi, j'ai rien compris pour l'instant. Je fais les salles, mais dans le freestyle le plus total. Est-ce que j'ai une clé? Non. Mais attendez, mais ça, ah oui, ça c'est la porte du boss. Bon bah en gros c'est pas du tout une salle que je dois faire pour l'instant, donc on va contourner par là. On va voir ce qui se passe ici. Ah ok, encore. Ah décidément. Alors, ok. Ah d'accord, genre moi j'ai... Ouf, ça passe pas loin. Genre moi j'ai pas le droit de passer par là, mais vous avez le droit de me cracher du feu, quoi. Oula, oula. Mince. Attendez, j'ai réussi à passer par là, je sais pas comment. Ah, il y avait une fissure. Ah oui. Ah ouais, les gens, fallait la voir, hein. Alors toi, par contre, tu vas pas m'embêter longtemps. Mais attends, il est où? Il est sur la cloison? Ah oui. Why not? Ok, ça c'est cul-de-sac. Ah, quoique. Si, c'est cul-de-sac. Alors, en fait, j'ai du mal à voir quand est-ce qu'il y a des... Alors, par contre, il y a un coffre. Moi, je veux le coffre. Pas un petit... petite fracture par là, là? Non? C'est pas par là que je dois passer pour le coffre. Poum, 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 par là peut-être. Aïe, ça brûle. Ah mais attendez. Ah si, il est là le coffre. Il est quelque part par là. Ah, par contre, je vois pas où, hein. Alors, est-ce qu'il faut par contre... Ah, c'est peut-être ça. Peut-être qu'il faut que... Peut-être qu'il lui faut de la lumière au coffre pour être visible. Ça me ferait bien. Ça m'embêterait bien. Oh, remarque, c'est pas très loin. Faut juste que je me souvienne que.
passe là. Je passe là. Mais non, il est pas visible, hein. Je pensais vraiment qu'il le serait. Ah non. Peut-être que je dois tuer, en fait, tout simplement. Mince. J'ai pas vu le mur. Peut-être que je tue tout simplement ces petites crottes, là. Je pense que c'est ça. Faut que je les tue tous. Et là, la porte va se... va se dévoiler. Aïe, Est-ce que je suis bon? Parce que ça, le feu, je peux rien lui faire, c'est du feu, quoi. Mais, dégage. Et non! Ou alors dans les squelettes, les têtes de squelettes, là. Peut-être qu'il y a... comment dire? Un interrupteur. Eh, mais il est chiant, le feu, là. Qui fera tomber le coffre. Honnêtement, je vois... Oh, mais il veut pas aller voir ailleurs si j'y suis, lui. Voilà, c'est lui. Eh ben, Léon, j'ai mis du temps à le comprendre, ce coffre, hein. Eh ben, en plus, j'ai bien fait d'aller le chercher, parce que sinon, j'aurais jamais réussi. C'est pas là. Ah, dégage, le feu. Ah, attendez, normalement... Aïe, 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 aïe. Ah, mais par où que je repars? Voilà, c'est par là. Bon, on va passer de ce côté-là, voilà. Et après, il me semble que... Ah, là, il y a une fracture aussi. Oula, je suis passé où, moi? Ça, c'est bon. Ok, et eh bien, vivement que... il n'y a plus de salle comme ça, hein, parce que ça me gave, mais d'une force. Alors, j'ai bien envie de vous éclairer un peu les fantômes. Ah, et si je veux me... ah, dans la lumière, pareil, ils peuvent pas être vus. Ah, c'est chiant, ça. Ruby, clé. Ça m'intéresse. Ok. Heureusement que j'ai cassé le truc et que j'ai senti qu'il y avait eu un bruit bizarre. Des pitiches Ruby. Par contre, vu ce qu'on m'indique d'en haut, je pense qu'apparemment, faut arriver d'au-dessus. Ah, attendez. Et c'est pour ça que moi je suis frileux de me laisser tomber dans des trous, parce que je sais jamais trop ce qu'il y aura dedans. Ok, bon, c'était juste pour ça. Mince, je voulais peut-être pas monter. Ok, surtout que je réapparais là, donc je pourrais quand même ouvrir cette porte, ce qui est cool. Par contre, là, il y a toujours une petite clé, et là aussi. Donc ici, ce serait bête de pas la prendre quand même. Attends. Oh non, c'est moi qui suis tombé. Lol. Ça, c'est pas de chance pour lui. Yeah. Ah, disons, il y a de plus en plus de petites clés, par contre, j'ai l'impression. Hein, parce que là, j'en ai encore une à attraper. Ok, mais je vois pas à quoi ça sert, en fait, d'allumer. Parce que après, tu vois plus, quoi, ce que tu fais. Il y a deux portes scellées en bas, ici. Donc, on va en ouvrir une, au moins. Oula, ça sent encore le pseudo-mini-boss, là. Alors, préparons tout de suite l'arc. Comme ça, on sera bon. Sur Y, why not? Oh là, ok. Ah oui. Faut que je les fasse descendre. Alors, attendez, c'est quoi, là? Mais, attendez! Mais oh! Attendez, mais il est bien...
Il est bien sur mon côté quand même. Je suis pas fou. Ah non. Je crois qu'il est mort. Donc là, faut que j'arrive à les faire aller dedans. Voilà. Toi aussi. On est bon. Et ils sont bizarres. Avant, ils avaient une particularité autre. Parce que là, vous voyez, j'avais juste à les taper et puis ils me faisaient rien. C'est bizarre. C'est moi ou c'est un deuxième portail? On en a pas déjà vu un? Ok, nouveau portail, pourquoi pas. Alors, est-ce qu'il n'y a pas... Petit secret. Vu qu'on est dans le donjon des bombes... Non. Et foncièrement, je vois pas trop à quoi ça a pu servir, ça. À moins qu'il y ait une porte quelque part par là. Ah oui, mais je viens... Bah non, je viens d'en dessous, en fait. Donc il faut que j'aille au-dessus. Ok. Pff. Je pense qu'il fallait que je fasse quelque chose, mais... Alors, qu'est-ce que je peux faire avec cet œil? Là, il en manque un. Bon. Je vais tenter de lui jeter une bombe dessus, même si je vois pas trop ce que ça pourrait faire, mais... Bien sûr, ça n'a rien fait. Ah, peut-être ça. Tout s'explique. On reprend un peu d'endurance. En même temps, ça c'est la dernière salle, donc dans ma tête, je suis pas obligé, je suis pas censé la faire maintenant, quoi. Il me manque sûrement un élément. Qu'est-ce que ça fait, ça? Ok. Bon, au moins ça c'est fait. On va passer ici. Une salle sombre, j'adore. Comment j'y vais sur la plateforme? Ah bah, faut juste que j'attende qu'elle arrive. Ok. Oui. Attendez, j'ai une petite idée. Ah! Je pensais qu'elle allait, m'amener direct au troisième, mais non. Peut-être faut faire le toboggan des bombes. Aïe! Oh! C'est quand même pas ce que je pense. Eh B. Oui, mais je peux pas y aller. C'est ça qu'il faut que je me dise, j'ai beau avoir la clé, ça veut pas dire que... Oh non, pas cette pièce. Oh non, non, non. Moi je me barre. Je passe par autre part. Enfin, j'espère que je peux. Je venais d'où? Voilà, par là. Je préfère. Hop, clac, clac. Je sais toujours pas... Bah celle-là, faut tomber dessus. Quoi. Donc on va monter. Ah bah oui, bah voilà. J'ai juste à trouver ici, là, qu'est-ce qui fait que ça tombe. Ah bah, tout simplement là, en plus. C'était indiqué en gros. Ah oui, mais ça, c'est des trucs que j'avais fait la dernière fois, mais comme j'étais frileux à l'idée d'y aller... Bah, j'ai bien fait d'attendre, comme ça, au moins, je me perds pas. Je sais directement dans quelle salle je tombe et tout. On va aller là aussi, hein, ça fait quelques rubis, c'est pas grave. Mince, elle est où, celle-là? Ah, elle est ici, ok. Comment est-ce que je pourrais la voir? Comme ça. Alors par contre, normalement j'ai encore une porte verrouillée quelque part. Ah, j'ai pas du tout été au premier tir déjà. Ah bah oui, bah c'est là. En fait, il faut que... Voilà, la petite porte fermée. Comme ça je peux aller à l'étage parce qu'il reste un coffre encore. Puis de toute façon, c'est sûrement là qu'il faut choper l'œil parce que...
Ah, ici. Mince. Oula. Par contre, les nouvelles bombes me bouffent beaucoup de mon endurance à chaque fois. Qu'est-ce qu'il y a sur la gauche? Ok. Ah, et ça a refermé la porte. Donc en gros, faut que j'aille vite. Sinon, je fais ça. Mince, ça passe pas. Genre. Mais allez, je suis sûr que ça peut prendre là dans son aura. Yes! Allez, clac, 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 clac. J'avais pas entendu en fait que c'était timé. Où c'est que je suis? Merde! C'est pas ça que je veux faire! Laissez-moi voir un peu parce que sinon je comprends rien à ce que je fais. Qu'est-ce que ça fait? Ça monte? Ok. Ça aussi, ça monte, ça m'emmène. Ici, y'a rien, on va aller à gauche. Moi, ce qui m'intrigue, c'est les gros faisceaux lumineux, là. Quoi? Pardon? Ah, la saloperie de fantôme. Là, je vous avoue que je suis un peu frileux. Qu'est-ce que je dois faire, là-dedans? Parce que là, c'est un truc, genre, qui doit tourner. Mais comment je le fais tourner? Je vois pas de... Plus la ligne traverse un peu. Mince. Ah. Ouh, on me cache des choses. Ouais, enfin des choses un peu nulles, mais. Peut-être que la solution serait par là. Ah, mais là, j'avais pas vu, attendez. J'ai pas vu que la vue était bouchée. Alors, ça fait des faisceaux lumineux, très bien, mais qu'est-ce que ça fait? Moi, c'est celle-là que j'aurais aimé avoir. Parce que là, normalement, ça, c'est un mur qui tourne, mais comment je le fais tourner en partant de là? Ah, mais là aussi! Ah, mais j'avais pas vu... Bon, écoutez, on va faire des faisceaux lumineux plein partout, comme ça. Ah, peut-être que ça a ravivé l'œil. Ah, mais il y en a un autre. Là, c'est bon, tout est cassé. Ok. J'ai toujours pas de quoi taper ça. Bah écoutez, pour celui-là, je sais pas. Et j'ai envie de tomber comme un gros mort là-dedans. Allez, hop. Ah d'accord, en plus ça m'aide pas. Bon, bah on va passer par là, mais bon, ça m'embête pour le coffre. Oh mince, à chaque fois. Ah ok, 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 ok. Oula. Hein? Et je comprends pas tout, hein. Attendez, là ça a fait se dérober un mur secret. Allez, vite, vite! Oh!
Ah mais si, il faut que j'utilise le contre-temps, ok. J'ai pas compris ça. Ok, là je reste ici. Attendez, j'attends un peu. Et là, ok. Ah oh, mais décidément. Alors, est-ce que c'est que pour ça? On n'a pas un autre bout? On dirait pas. Écoutez, j'ai bien envie de voir de l'autre côté si ça fait la même. On va plutôt passer par là, ce sera plus simple. Ah non, je peux pas. Ce temple me prend un peu le chou, je dois avouer. Ce qui m'énerve, c'est cette salle. Il y a tellement moyen, normalement, d'y accéder, là. Et puis, je peux pas, et ça m'énerve. Parce que je vois pas autrement comment je pourrais faire. Alors, est-ce que ça fait un turlututu chapeau pointu, là, quelque part, sur le mur? Non, j'ai pas l'impression, celui-là, ça fait que ça. T'avais pas déjà cassé cela? Me semble-t-il. Ah! Ok, ça c'est un trou qui m'aurait mené où? Ouais, non, ça m'aurait pas aidé, heureusement que je suis tombé dans celui-là en fait. Ah bah le voilà, le fameux trou ici. Sauf que ça m'aide pas. Ça m'aide pas, ça m'aide pas, ça m'aide pas. Il y a une salle là-bas où j'ai pas été. Pourtant, l'entrée est indiquée ici. Alors, deux choses l'une. Ça, c'est pour le coffre que je convoitais tant. Qui avait vu 58 dedans. Bon, moi, je l'aurais eu. Aïe. Et là, il y a une pièce que j'ai pas vue, quoi. Bon, on m'affiche pas de coffre dedans, mais ça m'embête quand même de pas l'avoir vu. Et ce coffre là qui m'embête. J'allais au rez-de-chaussée, on va voir ce qui se trame en dessous. Peut-être que ça a changé des trucs là, tous les faisceaux lumineux que j'ai allumés. Oh là 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 là. Chaque fois. Hein. Oh non, pas cette salle. Passer de l'autre côté, c'est plus simple. Ici, j'ai tout eu. Là-dedans, j'ai tout eu. On est bon, maintenant. Alors, tout ça, ça s'est allumé, ok? Qu'est-ce que ça fait? Oh bah, tout simplement, j'ai droit au boss. Ok. Mais ça me retire pas de la bouche l'amertume que j'ai par rapport au coffre de du premier étage. Désolé, je vois pas du tout. Pour moi, il y a un truc qui est censé le faire tourner. Mais j'ai pas trouvé qu'est-ce qui était censé faire tourner le mur. Donc on va directement aller au boss. On va se remettre un peu d'aplomb quand même. On va cramer son endurance.
On va peut-être dû les garder en fait, je crois que c'est là que je vais affronter le boss. Allez, allez, allez. Il est mignon, et ça c'était un boss de Link to the Past, lol. Comment je te bats? Vu que ton objet c'était les bombes, je vais te mettre une bombe. On voudra pas, tiens. Oh oui, apparemment c'était ça. Ah, en plus il y a plein de rubis sur lui. Ah, bah écoute, ça m'intéresse. Ouais. J'aime les boss rubis. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ça y est. Oh. Alors avant de m'agresser, laisse-moi te choper tout ça. Au moins les rubis importants. Yes, tout eu. Je sais pas trop ce que ça lui a fait. Qu'est-ce qui se passe? Ah d'accord. Oula, 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 oula. On se calme, on se calme, on se calme. Ah, et là je dois aller lui taper la tête peut-être. Ah non, ok, maintenant c'est plus à coup de bande. Aïe, ça pique. Yeah. Il est où? Ah mais, mets-toi bien. Mais, hé hey. Oh. Mais, t'es ouf. Mais, purée. Mais, arrête de me foncer dessus. Il m'a bloqué. Non. Oh purée, j'aurais jamais dû améliorer mon épée. Non, comment il était rapide. Et juste le moment où il a bugué, il m'a pris avec lui, quoi, que forcément je me prenais du dégât en rafale. Ah, c'est un sage, en fait, Gulli, il s'était fait choper. C'est pour ça qu'elle me disait c'est le plus important. Mon petit Gulli, t'es le descendant des Kokiri. Ça t'épate, tu t'y attendais pas, hein, je suis un 7 sage. Un 7 sage. Mais c'est quoi un 7 sage? Je suis petit alors je ne sais pas ce que c'est. Je suis sûr qu'il y a d'autres 7 sages qui attendent d'entrer. Va vite les sauver. Et voilà, on a sauvé le petit Gulli. Wouh! Par contre, franchement, ça m'était pas venu à l'esprit que ça pouvait être un des 7 sages. Mais bon. Pourquoi pas? Bah alors, par contre, va falloir que j'annonce ça à ses parents, c'est ça? Allez. On va finir la partie sur moi allant voir les forgerons, hein, forgeron papa, forgeron maman. Après cette petite scène de la princesse Hilda. Avec aussi ses propres légendes autrefois, elle parlait d'un héros comme toi. Mais maintenant il n'y a plus de héros dans notre royaume. Héros d'Hyrule, tu es notre seul espoir. Mais t'en fais pas, hein, j'y travaille. T'as pas vu la chaîne YouTube? Y a plein de parties. Allez, on va sauvegarder notre progression, on va demander au petit balai, hein, de Kiki, de venir nous sauver. Non, j'ai pas envie de faire une pause, tais-toi. Je sais comment quitter. Hop, je veux aller chez moi, comme ça je vais pouvoir avoir la petite faille. J'aime bien le balai, 3 petits points. Qu'est-ce qu'il est bon ce thème. Alors, où est-ce qu'on va aller? J'aime bien le temps de chargement caché. En même temps, on va pas se plaindre, hein. Ça nous a fait une grosse aventure, ultra fluide, super jolie, avec des musiques démentes. Donc il y a bien droit d'y avoir un chouïa de chargement à un endroit, quoi. En plus, franchement, ça gêne pas, quoi. Je veux dire, c'est vraiment une seconde de chargement. Alors, j'ai une mauvaise nouvelle, madame. Comment va Gulli? Qu'est-ce que tu viens de dire? Dieu merci, quel soulagement. Ouais, enfin, tu le reverras plus jamais, quoi. Il ne va pas pouvoir rentrer tout de suite. Et non, c'est pas grave, du moment qu'il est sain et sauf. Et puis, pleurer ne le fera pas rentrer plus vite. Je vais préparer plein de bonnes choses pour l'accueillir comme il se doit à son retour. Il sera sûrement affamé. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui mijoter? Pourquoi pas des cocottes? Annonçons ça, monsieur papa. Où était passé? Où t'étais passé? Comment t'as retrouvé Gulli? Il est où? L'important c'est qu'il soit sain et sauf, tant mieux, Sniff. Oh, comme ça c'est toi qui l'as retrouvé, hein. Faut croire que tu vas finir par devenir un vrai petit homme, en tout cas, merci.
Dis-moi plutôt, Link, cette épée est mon plus grand chef-d'œuvre, elle ne peut pas être améliorée davantage, à moins évidemment qu'il n'y ait par le plus grand hasard un forgeron encore plus doué que moi. Mais je doute franchement qu'on puisse en trouver un dans ce monde. Ah ah, mais dans l'autre peut-être. En attendant, je vous dis merci d'avoir regardé avec moi cette 12e partie de A Link Between Worlds. J'espère qu'elle vous a plu. Encore une fois, on est tombé sur un donjon, hein. Décidément. Je vous dis, il y en aura sûrement un par partie parce que je pensais vraiment découper en 30 minutes et puis les donjons en une partie, comme sur Wind Waker, sauf que les donjons sont beaucoup plus courts. Donc ça casse complètement le rythme que je voulais faire et donc ça fait un truc beaucoup plus freestyle, mais j'espère que ça vous plaît toujours autant. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite pour la prochaine. Allez, cours, 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 ok. Cours, 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 cours. Ah non. Non, parce que le problème, c'est que je suis obligé de m'arrêter, mais Link a déjà tapé la boule depuis quelques secondes. Enfin, de quelques secondes, non, mais...